19, non, 19. Il me semble que c'est 19. On est le 19. Je crois bien. On est le 19. Numéro 19. Oui, donc ouais, numéro 19. Là, nous sommes actuellement en cours de mon dégrisme. Rien ne va. Non, fait. Regardez. Donc ça, c'est ma chemise. Tac. D'un point de vue extérieur, elle est pas dégueu. Fait le corps, ça va. À peu près. Ça va? Oui. Mais ces bas de manche, ça va pas, j'ai honte. Y'a pas de capuchon non plus. Ça, c'est pas normal, non? Ça, c'est celle de Sarah. Ça, c'est celle de Flo. Oui. Très bancal quand même. Naïs n'a pas le droit à un bas de manche. Non. Et là, le truc, il est. Il est devant alors qu'ils sont derrière. J'ai monté la manche à l'envers. Regardez nos bas de manche. Là, c'est Sarah. Et là, c'est moi. Et vous savez ce qui est drôle, c'est que ça doit être droit. Encore plus droit, si tu me. Regardez celle-là. Bon, là, on est à Beauce-Dèche. Et aujourd'hui, on est encore en distanciel. C'est cet après-midi. Mais nous, on est restés à l'école. Voilà. Parce qu'on est des élèves studieux. Ouais, on est quatre aujourd'hui. La dernière fois, on était un peu plus calme. La dernière fois, il y a toute la classe. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Râle. C'est toujours Sarah qui essaie. Pourquoi je me regarde comme ça? J'entends pas, de toute façon, avec mes AirPods. Chè. Chè. Non, mais c'est impossible, c'est pas la bande de Sarah. Oh, j'ai le cramp. Ah ouais? Ah ouais, cool. Mais la chemise, quand même. Oui, j'ai avalé mon billet. Je suis pas exprès. Mais t'en as plus d'autres du coup pour mettre au nombril? Non, c'est pour ça que je t'ai demandé si t'avais pas une petite bille à me dépanner comme ça, je remets mon piercing. Et ça date de 40 ans, ça, Sarah? Eh ben, ça fait 40 ans, je n'ai toujours pas acheté de piercing. Donc... Mais attends, mais ça fait combien de temps que t'as pas ton piercing au nombril? Ça fait longtemps. Hein? Mais il est pas fermé, hein, il est. Ah, ça me stresse, j'ai envie de foutre un truc dedans. T'as envie de quoi? Bon, du coup, on se retrouve beaucoup plus tard chez moi. Comme vous pouvez le voir, Sarah dort à la maison. Parce que on était, comment on dit? T'as pris ses affaires partout, ouais. Et alors? Oh, t'es pas chez ta mère. Comment? On était nostalgique de nos soirées d'été. Soirées d'été, c'est-à-dire bande à tisane en regardant des... Une horreur. C'est tout ce qu'on dira. Et tout le reste. Tout. Du coup, on se retrouve pour de la cuisine. Parce que du coup, ce soir... Au programme, on va manger des pâtes à la feta. Ça fait très. C'est vrai que ça nous fait très nos soirées d'été, les pâtes à feta. Oui. On faisait ça souvent. Ça ou boîte à tourette. On faisait que ça. Tout juste la boîte. Hein. En dessert, on va faire un fondant au chocolat. Donc je vais faire la recette de Chloé B parce qu'elle est trop bonne. Et on a oublié d'acheter du beurre. Du coup, à skip, d'après le net, je peux le remplacer par ça. On verra bien. D'ailleurs, on verra bien le résultat. Hein. Si vous voyez pas, c'est que ça a pas marché. On va manger à la cuillère. Peut-être. Imagine, ça va être tout liquide. Ça va pas être tout. Désolée, je vous ai oublié. Heureusement que j'ai dit que j'allais vous montrer. Enfin bref, si vous connaissez pas ça, c'est que vous avez pas eu d'été. Que tout le monde faisait ça et c'est excellent. Si vous ne connaissez pas la recette des pâtes à la feta, il faut mettre une feta au milieu d'un plat qui peut aller au four, des tomates cerises. En vrai, c'est encore meilleur quand c'est des tomates, vous savez, la tricolore de toutes les couleurs, mais il n'y en avait pas. Du coup, ben, on a que celle-là. Et après, vous mettez ce que vous voulez dedans. Là, moi, je vais mettre herbe de Provence, sel, poivre et de l'ail en poudre avec de l'huile d'olive. Et regardez nos petites pâtes, comme elles sont trop mignonnes. C'est des mini penne. Mini penne. Bon, c'est bon, c'est bien. Stop. Ça... On ne peut pas dire oui. Je vais être démonétisée. Vous mangez des pâtes crues vous ou pas? Moi, ma soeur. Oh, mais ça capte que ta tête, dégage. Niveau respect là. Ma soeur a mangé ça tout le temps jusqu'à se rendre malade. Bref, chin. Tu me suis pendue. J'ai dit niveau respect. Oh, ma soeur. Chin. J'ai perdu. Il a sauté toute ma bouche, le morceau. J'ai peur de vous casser une dent. Mais elles sont archi dures. Je vais pas la manger. Oh, je la mange pas. Maintenant je me suis cassé une dent. Mes dents elles coûtent 7000 euros, je la mange pas. Est-ce que vous, vous arrivez à bien doser vos pâtes? Parce que alors moi, pas du tout. Là, plus j'en mets et moi j'arrive à m'arrêter. Tout chousse. Tout chousse ou pas? Non, je vais pas tomber. Tout. Mais vous allez avoir à manger pour un mois, Esther. Pas grave. Ah bon? Maman.
Déjà ça, t'en remets pas assez d'eau. Mais si, c'est bon, ça regarde. On lave les pâtes quand ça cuit. C'est toi qui le coque. Oh, pour ce qui est un reste, on aurait pu tout mettre. On est trois pour demain et bah, pour on est trois, pas six. Bah oui, ça fait double portion. 6 minutes top chrono. Hein. Non, ça je crois pas. Aurélie, c'est au moins 10 minutes ma grande, c'est moi qui te le dis. On va manger, mais je suis à point des pâtes. Mais on va manger des pâtes. Tu vas manger al dente. Oui. Les meilleures pâtes qui existent al dente. Regarde, on voit même pas ta tête. Tu mérites même pas qu'on voit ta tête pour dire ces conneries. Le petit truc là, en plus comme le riz. Je vais étouffer ou pas? Bah oui. Non, non. Comme ça si tu t'étouffes c'est pas grave. Oui. Mais copine, un carton. Tu peux crever au moins, c'est pas moi. Je te la rends dans ta bouche. Mais je sais pas faire ça, j'ai peur. Allez, recoule en bouche. Viens dans le champ de la caméra. Un, deux, trois. Un, deux, trois aussi. Non, 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 non. Ah, quand c'est pour les autres, c'est pas pareil. Oui, mais non. Mais je vais te démonétiser avec tes musiques de country. Il reste pour un pâte. Bah, je mets tout. Voilà, mort pour mort, tu peux y aller. Hein. Il est vite. What? Mais c'est bon, je vais rentrer maintenant. Bah, non. Là, on aurait dû faire deux plats comme ça. Qui veut venir manger à la maison? Bon, il n'y a pas marqué hein. Il devrait penser à marquer les quantités pour Je crois que c'est 100 grammes une personne non. Là on va faire le fondant au chocolat. Et c'est celui-là. Si vous voulez la recette, c'est dans les stories à la une de Chloé B dans les stories recettes. Et il est vraiment super bon. Et il est pas très difficile. Le seul truc qu'il faut bien checker, c'est le temps de cuisson. Parce que j'ai déjà fait des crises de nerfs parce qu'il était trop cuit. Est-ce que tu as déjà pensé au fait que vu que tu ne mets pas du beurre, tu mets de la crème? Est-ce que tu mets la même quantité de crème que de beurre? Non, il faut qu'on traduise. Okay. 100 grammes, c'est 10 millilitres. Donc 190, c'est 19. Ça va toucher les pâtes, tu crois? Non, mais. J'ai fait tomber un œuf. Je le vois venir gros comme une maison. Qu'est-ce que je viens de dire à l'instant? C'est bon, je l'ai récupéré. Oh pétard, il y a plein de coquilles. Bah voilà. Sarah, j'ai fait une bêtise. Il y a plein de coquilles dans mon truc. Oh oh. Oh oh, là y a trop d'infos là. C'est lourd. Covid. Mon poignet. Ma passant va casser. C'est lourd. Tout ça parce que j'ai voulu vous le montrer à vous hein. Alors vous en avez rien à foutre que je casse un œuf. Parce que j'adore Marilyn Manson. Mais genre vraiment premier degré depuis toujours. Il était passé en concert à Nîmes et je suis pas allée, je regrette amèrement. Ok, et là on va rajouter petit à petit la farine, du coup 100 grammes de farine. Donc j'ai pas dit, mais il faut mettre 90 grammes de sucre et 4 œufs. Combien c'était? 100 grammes. Et pif! J'ai le compagnon d'œil, comme on dit. Ouf. Oh. Ouais, partout! Oh, ça va! On évite les grumeaux, s'il te plaît! J'ai une tête à faire des grumeaux, moi! Une fois que vous avez ça, vous rajoutez une petite pincée de sel et on fout le chocolat là-dedans. Ah, ça fait une super texture, hein. Avec la crème. J'en perds pas une minute, je suis ravie. T'es mal à taille Jura, quoi. Quand tu vois que les youtubeuses font ça dans des conditions optimales et que... Oups. Non mais ça, elle met tout, hein. Elles font un montage de malade, là. Elles essuient à chaque fois parce que déjà, qui ouvre un paquet de farine et le verse dans son verre doseur sans en mettre partout. Sérieusement, entre vous et moi. En plus, c'était pas de mon bon côté de profil, mais bon, c'est pas grave. Oh bah. Mais c'est une pâte à crêpes là. Non, c'est normal ou pas? Non, mais ça va. Ça va pas cuire. Je t'ai dit, on va finir par le manger à la petite cuillère. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait, mais dans mes souvenirs lointains, c'est pas comme ça la pâte. Hein. C'était un petit peu. C'est un peu plus épais normalement. Je vais regarder, peut-être que je me suis trompée dans la farine. C'est très liquide, non? Bah écoute, on. Mais c'est une danette ou quoi? On n'a pas de papier sulfurisé et pas de beurre. Donc on va badigeonner ça d'huile. C'est trop mignon.
Nouveau sac à la mode. C'est un Jacques Mus. Est-ce que mes blagues elles vous font rire ou pas, ou ça fait rire comme moi? Parce que moi je me trouve super drôle, mais peut-être que ça fait rire partout. Je crois qu'il est étalé là. T'es sûr? Ouais. Un dernier coup. Tu refais un tour pour être sûr? Ouais. Esther mini pouce. Vous avez vu mon escabeau? Regardez-le. Ça c'est un move de professionnel. Mais j'ai un peu honte de mon setup. Bon, ah, il est pas si, j'allais dire, il est pas si liquide que ça, mais si en fait. Il est extrêmement liquide. Non mais il est super liquide, regarde, on voit même pas quand je trace. Eh ben on le mangera à la cuillère, écoute. On fait comme on peut. T'en mets pas sur mon pull hein. Déjà je fais comme je peux hein. Ah mais t'en mets sur le bord. Oh. Ça me stresse. Eh ben tu prends un chiffon et tu l'en. Mais celle-là, celle-là. Bon du coup ça y est, on a sorti le plat, j'ai oublié de vous filmer le truc d'avant. Je suis vraiment une chupasse en carton, mais bon, c'est pas grave. En gros mais, la feta était cuite, les tomates aussi, et vous remuez tout et vous foutez vos pâtes dedans. N'imaginez pas qu'il y a que ça de pâte, il y a encore tout ça là-bas. Ici. Ouais. Voilà. Vous inquiétez pas. Regardez nos bandeaux, c'est ce que Pauline nous a offert. Regardez, bon, comme d'habitude, Kenna a déjà coupé une part de gâteau. Et au final, il est beau. Ah, il est fondant, Sarah. Oh, wow. Il y en a ici. Oh, wow. Oh, masterclass. Wow. Et là, on regarde un film. Je sais pas si c'est un film noir ou quoi. C'est Red Blue, je sais pas quoi, Sky. C'est Blood Red Sky. Ah, tu vois. C'est l'inverse. Bon, un truc avec ces trois mots. Oh, prends celui de Sarah. C'est bon, prends ma part. Oh là là. Regardez ma part, comme elle est trop belle. Ah, regardez celle de Sarah, elle est toute cassée. Voilà. Bah, du coup, je vais vous laisser ici parce que nous, au final de la soirée, ce sera pas très intéressant pour nous. Et puis, j'ai envie de vivre et de profiter. N'hésitez pas à vous abonner parce que je fais une vidéo par jour pendant tout le mois de janvier, vu que c'est mon mois d'anniversaire. Et sur ce, silence. Sur ce. Pas ma tisane de vieille. Moi, oui. Sur ce, c'est quoi que je dis déjà? Sur ce, prenez bien soin de vous. Voilà, exact. Prenez bien soin de vous. Oh là là. À plus dans le bus, c'est-à-dire à demain. Parce que quoi, Sarah? Parce que les John Rock, c'est tout le mois de janvier. Exact. Bisous et à demain.